Bonjour à tous, c'est Léo. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour de eCom Empires Mastermind en Roumanie. Euh, on a travaillé sur des stratégies Facebook, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Notamment, euh, aujourd'hui, on va parler de la stratégie vidéo views. Donc euh, voilà, c'est une stratégie que j'avais vue un tout petit peu euh, précédemment, mais euh, là, je trouve ça beaucoup plus poussé. Donc voilà, je voulais vous présenter ça euh, en vidéo. Donc la stratégie vidéo views, ça repose sur quoi Ça repose sur donc, une vidéo que vous allez créer de votre produit. Les vidéos qui marchent le mieux en termes généraux, euh, c'est les vidéos de présentation de produit, unboxing euh, des vidéos du produit donc, dans le contexte d'utilisation. C'est ce qu'il va falloir utiliser. Vous pouvez faire la vidéo par vous-même, vous pouvez utiliser la vidéo de votre euh, fournisseur sur AliExpress. Même si ce n'est pas obligatoire, je vous conseille de toujours demander euh, si vous pouvez utiliser la vidéo du fournisseur. Bien sûr, c'est euh, aussi la raison pour laquelle il crée la vidéo en général. Mais euh, on ne sait jamais, vous pouvez avoir des demandes de droit d'auteur. Euh, un autre moyen de faire une bonne vidéo, c'est de remettre euh, en condition plusieurs vidéos. Donc vous allez utiliser plusieurs vidéos du même produit, la remettre en forme et utiliser alors ça pour ça je vais vous faire un petit dessin donc le format carré un peu comme si vous postiez sur Instagram avec en haut et en bas vous allez avoir du texte donc euh, vous avez certainement déjà dû voir des vidéos dans ce format là donc là vous allez avoir votre produit au milieu vous avez du texte en haut souvent des appels à l'action pour cliquer pour taguer euh, dans les commentaires les personnes et du texte en bas donc voilà, ça peut être des sous-titres, ça peut être simplement du texte, des appels à l'action, des emojis également. Pour ça, vous pouvez utiliser les applications comme euh, Quick by GoPro. Vous avez Légende, vous avez Videoshop. Donc voilà, il y a pas mal d'applications, notamment sur téléphone, euh, que vous allez pouvoir utiliser. Moi, je les utilise, ça marche très bien. Euh, les personnes avec qui j'étais les utilisent également, notamment Quick qui fait de très bonnes vidéos. Donc, ça, c'est le type de vidéo que je vous conseille de faire. Maintenant, pour ce qui est de la stratégie, donc on va utiliser l'objectif vue de vidéo. Et euh, donc, je préfère le dire, ce n'est pas pour les petits budgets. Dès le départ, on va dépenser entre 50 et 100 euros pour commencer. Alors, je vous explique comment on va faire ça. Le but, c'est d'avoir 20 000 vues sur notre vidéo. Donc pour 20 000 vues, on considère que par 1000 vues, on va payer euh, entre 2 et 5 euros pour euh, pour 1000 impressions à peu près. Surtout en vue de vidéo, c'est quand même assez peu cher. Donc ça devrait nous coûter euh, ici entre 50 et 100 euros pour euh, pour commencer. Donc pourquoi est-ce qu'on va jusqu'à 20 000 vues Tout simplement parce que cette audience, euh, donc toutes ces personnes qui ont vu ces vidéos, on va les réutiliser dans des look likes. Donc là, on est sur euh, Vidéo View, c'est une sorte d'engagement. Les personnes vont commencer à commenter sur le post. On va avoir pas mal de partages, etc., notamment si votre vidéo est bonne. C'est aussi l'objectif. Et à partir donc, de cette audience, euh, on va faire des, des look like. Alors ce qu'on va faire en premier, c'est créer des audiences personnalisées. Donc euh, voilà, on va la... Audience personnalisée. On va créer une audience personnalisée, donc 3 secondes. On va créer une 10 secondes. On va créer une euh, 25%... Je vais vous montrer tout de suite après, hein, bien sûr. 50%. 75% et 95%. Donc, ça, c'est ce que euh, Facebook nous propose de créer en fait dans le, euh, dans le Ads Manager. Donc, vous voyez ici, quand vous allez dans Auditoire, vous allez pouvoir créer une audience. Donc, d'abord, les premières choses qu'on va faire, c'est audience personnalisée parce qu'on a besoin en fait d'une audience source euh, pour créer ensuite nos audiences look alike. On va venir dans interaction vidéo. Alors ici euh, euh, choisir un type de contenu donc on va parcourir. Ici donc vous allez vous avez 3 secondes, 10 secondes, 25 50, 75, 95 comme je viens de vous le montrer. Vous allez choisir par exemple 3 d'abord. Choisir une vidéo. Donc, vous allez sélectionner la vidéo pour laquelle vous voulez faire euh, votre euh, audience. Confirmer. Ici vous mettez le nombre de jours depuis lequel euh, vous avez lancé votre vidéo et un nom d'audience et vous allez le créer donc une fois que vous aurez créé euh, ces six auditoires ces six audiences personnalisées différentes alors je vais revenir au sketchpad ça c'est on va dire euh, la base on a nos six audiences différentes Hop. ces audiences on va euh, en faire de la publicité en conversion ensuite. Donc, à partir de ces audiences, on va créer des audiences look -alike. Donc, elle est là. Hop. Et pareil, les audiences look-like, on va pouvoir faire 1% jusqu'à 10%. Donc, on va faire. Hop. 9 et 10%. Donc là, ça nous fait déjà 60 audiences différentes. Chacune de ces audiences look alike, donc 1%, euh, sachant que là, ici, on est encore une fois sur euh, une même région. Alors je vous conseille, ça dépend de comment vous faites votre pub. Si vous faites de la pub que sur la France euh, ou les pays francophones, bah, c'est ce que vous allez cibler. Si vous faites de la pub euh, au niveau mondial, vous allez peut-être vouloir encore... Euh, séparer ces audiences puisque là vous allez pouvoir faire 1% visant euh, par exemple les états unis 1% visant l'Europe etc. et 2% 3% etc. Donc là vous avez 6 six, euh, six, six audiences sources dont vous allez faire en quelque sorte 10 copies. Donc là on est sur 60 audiences et pour chacune de ces audiences on a encore un niveau de possibilité ici on a quatre conversions différentes donc on a tout d'abord euh, vue de contenu on a ajouté au panier donc atc à to cart initiate checkout et achat purchase donc si on fait le calcul là on a euh, quatre X10 fois x6, fois ça fait 240 audiences. Hop, on va enlever ce 2 très moche. 240 audiences que vous allez pouvoir tester. Alors, bien sûr, si vous testez autant d'audiences, je vous l'avais dit, ce n'est pas fait pour euh, les petits budgets. Il va falloir être très attentif à ce que, euh, à ce que vous faites. Donc, je le rappelle, euh, vous allez toujours utiliser le même ID pour vos publicités. Donc, euh, vous avez fait une première publicité vidéo. Vous allez récupérer le euh, l'ID de votre publicité et au moment où vous ferez donc votre vidéo, vous cliquerez sur euh, Créer à partir d'une publication existante ou d'une euh, d'une publicité existante et vous allez rentrer manuellement euh, le code ID. Comme ça, vous, vous utilisez tout le temps la même vidéo, euh, ça va augmenter l'autorité, il y aura de plus en plus de likes, de plus en plus euh, de partages. C'est ce que vous voyez quand il y a des très gros euh, des très grosses publicités qui ont un million de vues avec euh, 600, euh, 600, 600 000 euh, partages, etc. C'est comme ça qu'ils s'y prennent. Donc là on a 240 publicités différentes. On est toujours sur une seule audience. Euh, je ne sais pas si je l'ai précisé non plus au début. On va viser dans nos publicités vidéo une seule audience très large. Donc par exemple si vous vendez du maquillage, vous allez viser par exemple make-up ou bien Maybelline. Une seule euh, un seul intérêt très large. On va dupliquer 240 fois la même vidéo, l'envoyer euh, donc à toutes ces personnes différentes pour différentes conversions. Et euh, donc dès la première journée, on va commencer à Tuer celles qui ne marchent pas. Euh, donc là, on est à 240 fois 5 euros par jour. Donc on est à peu près euh, on devrait être à environ 1000 euros par jour. Bien sûr, on ne va pas laisser dépenser 1000 euros par jour. On va euh, tuer, je ne sais pas, 80-90% des publicités directement. Donc on devrait se retrouver à la fin de la première journée avec moins de, euh, de 30 publicités à peu près. Donc euh, voilà, le premier jour, ça va vous coûter plus cher. Donc admettons, ça va nous coûter à peu près 500 euros le premier jour, plus les 50 à 100 euros qu'on a déjà dépensés. Donc là, on est à 600 euros de budget à peu près pour un produit. Donc voilà, vous ne le faites pas pour n'importe quel produit. Il faut que votre produit, ce soit un produit gagnant quand même, ou euh, dans lequel vous avez beaucoup, euh, beaucoup d'intérêt, vous pensez qu'il qu peut être un produit gagnant. Donc euh, voilà on va être à 500, 600, 700 euros dépensés le premier jour mais le deuxième jour on se retrouve donc avec euh, une trentaine de publicités à 5 euros par jour. Donc là on revient à à peu près 150 euros de budget par jour. Mais on sait que ces publicités sont des publicités qui ont déjà donné du résultat euh, le jour précédent. On garde que ce qui est au-dessus de euh, retour sur investissement de 3 ou plus. donc euh, voilà. Certaines personnes veulent garder les, les retours publicitaires de 2. Ça va dépendre de votre marge produit. Euh, mais en, en règle générale, on va rester sur du 3 ROAS ou plus. Donc là, je le sais, on est quand même sur, un, sur une stratégie qui est plutôt avancée. Euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu précédemment. Je ne pense pas que d'autres personnes en francophone l'aient fait. Mais euh, c'est ce que bah, certaines personnes qui étaient avec moi au mastermind utilisent. Et avec ça, ils arrivent très rapidement euh, à déceler bah, des winners, des, bonnes, des publicités qui marchent. Parce que ça, si vous testez une seule publicité, bah, vous avez une seule chance euh, qu'elle qu fonctionne. Si vous en testez 240, vous avez beaucoup plus d'opportunités euh, qu'il y en ait 2, 3, 4 qui marchent. Et je vous rappelle qu'il en suffit d'une pour que euh, bah pour vous rembourser le total de, de vos publicités. Donc voilà. Pensez aussi bien sûr que sur ce que vous avez dépensé au total, admettons 1000 euros, il faut que ce soit pris en compte dans votre retour sur investissement. Donc ça, voilà, il faut être conscient de vos chiffres et toujours euh, garder une vue là-dessus. Ok, euh, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, c'était la stratégie vidéo views. Je referai d'autres stratégies euh, toujours aussi, euh, aussi avancées. C'est surtout des choses avancées que j'ai vues, hein, je dois vous avouer. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et euh, bah, je vous dis à plus tard. Ciao.